l'année dernière, j'avais bien récupéré. J'étais arrivé sur le Tour du Limousin avec peut-être pas beaucoup de fraîcheur, mais une bonne forme. Et cette année, je suis sorti du Tour un peu fatigué. La dernière semaine était un peu dure pour moi. J'étais un petit peu malade après le Tour. Mais là, je sens, la semaine dernière, j'ai bien roulé. Je sens que j'ai quand même bien récupéré. Je suis motivé pour la fin de saison. Il y a aussi une échéance, même si la sélection n'est pas encore faite, avec le championnat du monde qui me tient beaucoup à cœur. Donc j'ai envie de faire une bonne fin de saison et ça passe par un bon Tour du Limousin, une bonne reprise ici. Donc j'espère répondre présent et me faire surtout plaisir. 4 jours de course, c'est demain que ça va se jouer en grande partie? Ouais, demain c'est l'étape peut-être la plus dure sur le papier. Je pense que oui, demain le général va en partie se gagner demain, mais aujourd'hui c'est la première étape, c'est la reprise pour pas mal de coureurs. D'autres coureurs veulent faire une très bonne fin de saison, ils sont très juteux, donc il va y avoir, je pense, de la bagarre dès aujourd'hui et il faudra pas se faire piéger aujourd'hui. Il y a une belle arrivée aussi en puncher, donc il y a des bonifs à l'arrivée, tout ça. Déjà aujourd'hui, on verra les hommes en forme et c'est sûr que demain, c'est l'étape reine de ce Tour de Limousin. Donc c'est pas plus mal que ce soit demain, comme ça il y a un petit jour pour se mettre en route.